missionnaire là, mais ta diacre là, ou ta prédicateur là, l'évangile va pas changer la vie. Et tu vas faire nécessité là, rien posé à tout là, Bataillon, Timon, Krabo, Jeanne, nous tous, nous avons une obligation pour que nous soyons capables de prêcher la bonne nouvelle du salut, parce que seul l'évangile de Jésus-Christ a le pouvoir de changer les individus de toute époque. Enfin, dernière raison qui fait que vous pouvez prêcher l'évangile, c'est parce que seul l'évangile de Jésus-Christ a le pouvoir de changer votre éternité. Seul l'évangile de Jésus-Christ a le pouvoir de changer notre éternité. Changement que l'évangile a porté comme avec son maillot, il va simplement affecter la vie terrestre, mais il y a une projection future. Il est également pensé à tant qu'à venir. Mais ça fait vraiment lorsque nous avons un pire monde. Je dis la vie, c'est bien boire, bien manger et puis mourir. Mais pour nous-mêmes chrétiens, la vie nous vient pour aller au jugement. Pour aller, nous le dit face à la vie. Pour aller la mort après la mort. Et la vie après la vie. Pourquoi ça dit ça? Moun qui mourit sur Jésus, tu vas aller mourir encore. Mais nous-mêmes qui n'a Christ la vie vivant, n'a mourir, mais son passage la vie parce que nous allons vivre encore. Et quand nous avons dit, pour aller la mort après la mort et la vie après la vie. Nous tous qui l'a destiné nous, c'était pour nous périr avec Satan. C'était pour nous vivre ensemble avec tout le monde qui a donné Jésus. Mais j'ai dû changer la vie. Songez là-haut, qui est mon bon Jésus. Jésus te dit, aujourd'hui même, tu seras avec toi dans le paradis. Jésus t'a changé la vie. Jésus, monsieur, il s'est fait même, il t'a changé la vie. Ou même qu'après la caillou à travers les ondes de la radio lumière. Monsieur, il s'est que ou même tout, Jésus t'a changé la vie. Et vous êtes même qu'après moi, qui vous connaît Jésus, ça? Mais dites-moi, Jésus t'a changé la vie à travers la prédication de l'évangile de Jésus-Christ. Annoncer l'évangile de Jésus-Christ est nécessité pour l'Église, ici et maintenant. Cet évangile, ami dans le Seigneur, très chers auditeurs, a le pouvoir de changer les réalités spirituelles des hommes. A le pouvoir de changer le monde entier, notamment Haïti. A le pouvoir de changer les individus de toute époque. Et enfin, a le pouvoir de changer notre éternité. Paul, lui, était tombé dans l'obligation pour prêcher l'évangile. Il a dit, si m'a prêché l'évangile, c'est pas pour moi une gloire, mais c'est une nécessité. Je dis à toi, nécessité ça pour l'Église, pour que nous soyons capables d'annoncer l'évangile. Mais qu'est-ce que nous savons? Au nom de l'évangile, nous sommes maltraités, nous sommes bafoués, nous sommes condamnés la mort lorsque nous avons annoncé l'évangile droitement. Lorsque nous avons annoncé l'évangile, j'en ai dans la Bible, nous sommes la mort. Pour l'évangile, Paul, il était emprisonné à Philippe, il était chassé à Thessalonique, il était frappé à Damas et à Béret, il était ridiculisé à Athènes, il était considéré comme insensé ou comme fou à Corinthe. Je t'ai qualifié de blasphémateur et de transgresseur à Jérusalem. Je t'ai lapidé à Lys. Mais malgré tout, l'idée continue de prêcher l'évangile. Et il était dans ses messages aux bénédictions. Au fait que le Père nous dit, maintenant si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit dans moi. Comme Paul, nous tous, nous avons une obligation ça. Et sur les années, c'est au nom de l'évangile ça. Qui met la Dieu lumière, je dis, capable, qui est force pour faire des classes ça, pour dire que nous avons reçu de notre Dieu une double portion de grâce. Grâce sous grâce. Responsable de la Dieu lumière. Employé, supporteur, auditeur, mais disons que pour quelle raison vous choisissez de faire ça? Parce que assaut adressé à l'éternel. Mais puisque mon Dieu nous a découvert qu'il a toujours avec nous, nous ne pouvons jamais faillir.
Parce que pour t'assurer, non, c'est pour Dieu qui est venu. Et quand ça dit, je dis à la Dieu, il est là encore. Nous, on t'a dit, année, ça nous décrète, nous, année de bénédiction au plus, au pluriel. Nous, grâce au plus, au pluriel. Parlons pas chant, si on t'a la dignité. Parce que 55 ans d'existence, là, si vous t'avez un témoignage dans les mots, ou à crier, l'autre va tomber sa mon Dieu, fais mon premier mot. Amen. La paix mon Dieu avec toi. Amen. À travers les tours de la radio lumière, pendant 56 ans, il y a un ami de cœur qui arrive à consoler les autres du message de la radio lumière. Pendant 56 ans, qui m'a racheté, qui m'a dit malade, les radios lumière priées, qui m'a dit guéris. Le ministère, la gloire à Dieu. Les familles qui étaient divisées, les actes de guérison, sont mises à réunir encore à travers le ministère, radio lumière. Il y a un pivot qui ne connaît mon Dieu, mais qui a été mon Jésus à travers la radio lumière. La pauvre radio lumière. Excelsior, et que mon Dieu toujours bénisse. 55 ans d'existence, 55 ans de prédication et d'explication, 55 ans de formation, des formations, de consolation, d'intercession et de réconfort. Et le souhait de mon Dieu vous est toujours plus beau chaque jour. Amen. Quant à vous, pasteur, leader, membre de l'église de la première église baptiste de Port-au-Prince, pas jamais faire un bouchon pour parler chez l'évangile. Tout le monde est passé l'évangile. Dans le camionnette là, l'évangile. Dans le quartier nous, l'évangile. Dans le travail nous, l'évangile. Parce que l'idée est une puissance qui a changé. Si la prédication de l'évangile est une folie pour ceux qui périssent, pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance. Que le Seigneur vous accompagne dans l'exercice de cette noble responsabilité qui a soifé si beaucoup. Que par le Saint-Esprit, frères et sœurs bien-aimés, auditeurs et internautes de Radio Restauration FM et de Radio Lumière, nous sommes capables d'acter le bon dépôt de parole que vous entendez là et que nous sommes capables de produire, oui, pour la vie éternelle. Alors que nos frères, les officiers, avaient avancé pour que nous sommes capables de recueillir nos dons, nos dîmes apportés à la maison du Seigneur pour la fortification, pour la propagation de l'œuvre. Nous voulons rappeler à chacun de nous si nous avons occasion pour nous capables d'adresser et on don par chèque, quand même, si nous appelons pour Radio Lumière, nous sommes capables au nom de Radio Lumière, et si nous appelons pour Première Église Baptiste Port-au-Prince, nous sommes capables au nom de Première Église Baptiste de Port-au-Prince. Alors que nos frères, nous avons avancé, nous n'avons pas prié, pour qu'on ait que réclamer en volant pour qu'on soit capable de soutenir et Radio à travers l'offrande de moissons missionnaires que nous avons gagné. Donc, officiers, vous avez eu et vous êtes capable de joindre nos copies. Nous remercions Pasteur Jeannot pour la prédication de l'évangile ce matin. Et qu'on y a, alors que Coral, l'harmonie des élus, pour chanter pour nous. Et même, je vais rappeler, nous, moi, m'accepter que dimanche de Dieu, nous avons gagné un grand d'abord. Pendant ce moment, nous avons plusieurs chorales qui avaient dit chanter pour nous. Et ces chorales qui a sorti maçon, qui a sorti sans se dresser, le côté Saveillon. Et dimanche de Dieu, nous avons gagné une célébration qui avait chanté par chorale Abraham, chorale de Bon Repos, de Blanchard, de Savonnerie, de Forme Nationale et de Martelly. C'est une grande fête de moissons missionnaires autour de l'évangile de Jésus-Christ, grâce sur grâce.
Et quand on a dit, il y a des choses pour nous, et on chante, on a clair, c'est pour une autre, pour glorifier, à nous aller, à nous marcher, à nous avancer vers la gloire. C'est sur la baguette de Maïs au front de Césaire et du Yannis Josué Alexis. Notre responsabilité en tant que institution de diffusion de l'Évangile de Jésus-Christ, Radio Lumière, ou institution qui avait à vivre l'Évangile de Jésus-Christ à travers les mêmes que tout ministère où nous avons manifesté l'Église de Jésus-Christ lorsque nous avons chanté deux versets dans le cantique 5, c'est Jésus fait confier une œuvre d'amour, le premier et le dernier verset. Et dans le dernier verset, nous avons mis de nos debout pour nous capables de chanter trois qui disent de recevoir la bénédiction. Et après ça, nous avons bien de servir de la Sainte-Sainte. Mais alors, chanter combien? Ça va même maintenant chanter ce que nous sommes. De même. Jésus est mort.